De Wenkoro, situé dans le secteur de Bankas, a fêté avec éclat le 22 septembre au programme des festivités, du cyclisme, des matchs de football et des visites d'infrastructures réalisées. Commentaire Adama Tangara. Seuls des 22 villages que compte la commune de Wenkoro ont convergé vers leur chef lieu de commune pour célébrer le 51e anniversaire de l'accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale. Un moment de souvenir. L'état de l'indépendance dont ont été posés les premiers jalons et que chacun de nous est interpellé à se sacrifier pour son pays, sa région, son sein, sa commune et son village afin que cette indépendance soit effective. Déjà, la commune de Wenkoro est sur cette voie, en témoignent les nombreuses réalisations qui y sont effectuées, notamment la construction des CESCOM et des châteaux d'eau à Wenkoro, la réalisation des forages à Bankoma et à Belkadje avec l'appui des partenaires et le paiement par le maire de l'impôt de l'année 2010. En ce 22 septembre, c'est aussi l'intégration africaine qui est célébrée avec la présence de l'ambassadeur centrafricain aux Émirats arabes et une forte délégation burkinabé. Le parcours historique du Mali, parfois difficile mais toujours fécond, est un motif de fierté et a mobilisé un capital d'expérience favorable à la consolidation des institutions républicaines. La présence à nos côtés de l'importante délégation du Burkina Faso, conduite par M. Antoine Ouédraogo, haut commissaire de la province de la Kossi, témoigne s'il en était besoin de l'intérêt que nos deux pays portent au concept si cher aux leaders de nos deux pays, le président Blaise Compaoré et son frère et ami Amadou Toumani Touré. Le préfet du cercle de Bankas a saisi l'opportunité pour attirer l'attention des uns et des autres sur les futures échéances électorales que notre pays s'apprête à organiser. Pour rehausser l'éclat de la fête, un match de football a été organisé opposant l'équipe burkinabé à celle de Wenkoro. La beauté Peul était également au rendez-vous.